オルビス、そのような場所は初めて聞く。私の名はアインズール・ゴウン。さあ、ナザリックの偉大さを示す時が来た。継承者、我に立ちはだかる力が己にあると思う。これまで私の前に立った者たちと同じく、このアインズール・ゴウンの力にひざまずき、偉大さを称えるようになるだろう。4月18日、その傲慢さを見せてもらおう。On s'attendait à rien et finalement deux grosses annonces aujourd'hui pour la collab d'Epic Seven avec Overlord. Je suis assez hype parce qu'on va aussi avoir beaucoup de récompenses pour les joueurs qui reprennent le jeu, pour les joueurs qui commencent Epic Seven. La collab va vraiment faire du bien. Du coup, ça y est, c'est annoncé. On a la collab Overlord et on aura bien trois personnages pour la collab. Un personnage Emel 5 étoiles qui sera offert avec la side story et vous allez pouvoir récupérer son artefact en plus 30 et tous ses exemplaires pour le triple S. Donc ça fait du bien, en plus il a un kit de sort qui est assez intéressant je pense, en tout cas très novateur. C'est pas spécialement ce qu'on a l'habitude de voir et on aura deux personnages pour l'accompagner, un héros feu guerrier et un chevalier terre. On a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup d'informations, je vais essayer d'être le plus bref possible. Pour accompagner la collab, comme je vous l'ai dit, on aura une nouvelle side story Overlord où on pourra récupérer le ML 5 étoiles. Et cette side story, ça a l'air d'être incroyable. Ça a l'air d'être comme la side story de l'été dernier avec OBL et avec l'été. Puisque j'ai l'impression qu'on va pouvoir farmer des équipements épiques, donc les équipements niveau 85 rouge en fonction du set. Donc exactement comme l'été et OBL, c'était une side story qui était très très appréciée pour récupérer de très bons équipements. Et j'ai l'impression qu'ils ont recopié un petit peu ce modèle pour la side story d'Overlord. Donc on attend quand même quelque chose de grandiose, puisque c'est ce qui avait été demandé et attendu par les joueurs. Donc vraiment hâte qu'elle commence pour voir si c'est vraiment ça. Et ensuite on a la présentation de tous les kits de sort de tous les personnages de la collab. On verra ça un petit peu plus tard dans la vidéo. On aura donc bien Ainz qui sera un ML 5 étoiles Dark gratuit. Ça sera un mage du coup taureau il me semble, avec un kit de sort très novateur, vous allez voir. On aura ensuite Albedo, un chevalier terre. Je me souviens plus de son signe astrologique, je crois que c'est Sagittaire, on verra ça dans la description de sa vidéo. Et enfin on aura Shaltir, un personnage aussi Sagittaire il me semble, si je ne dis pas de bêtises, guerrier feu. Donc les leaks étaient vrais, on avait donc bien trois personnages qui avaient déjà été annoncés, et là on va avoir tous les kits de sort, on va avoir toutes les informations, j'ai hâte de vous présenter tout ça. On a donc bien l'annonce comme quoi on aura un personnage ML 5 étoiles Dark gratuit, triple S avec son artefact 5 étoiles, donc c'est vraiment les personnages les plus rares et les plus forts sur Epic Seven en général, donc ils vont nous en donner un supplémentaire, en plus de ceux qu'on peut récupérer dans l'aventure. Donc j'ai vraiment hâte, on va pouvoir commencer, si vous commencez Epic Seven à cette période, avec 3 ML 5 étoiles, 2 qu'on va pouvoir récupérer dans l'aventure au fur et à mesure de notre progression, et 1 avec la collab. Pour accompagner la collab, on aura bien évidemment un événement de check-in, tous les jours on va se connecter pendant 7 jours, on va récupérer à la fois de l'énergie, et à la fois des récompenses, et je crois qu'on aura un ticket d'invocation de héros 5 étoiles pour le dernier jour. Pour accompagner la collab, on aura aussi un événement d'invocation qui se déroulera entre le 19 avril et le 9 mai, où on aura 77 invocations gratuites. On aura un nouveau lobby qui a l'air plutôt intéressant, il est animé pour accompagner la collab. Et petite parenthèse, maintenant on va voir un petit peu toutes les mises à jour qui vont être apportées en dehors de la collab, puis on reviendra sur le kit de sort des personnages. On aura tout d'abord deux nouveaux équipements exclusifs. Le premier, ça va être Tayou, qui est quand même assez attendu avec la sortie de ML Politis. Il va très bien synergiser avec, donc peut-être que ça sera un retour de Tayou. Son équipement exclusif va lui donner de l'attaque. Son premier équipement exclusif va être sur son S1 et ça va augmenter l'ardeur au combat de 5%, c'est plutôt moyen. Le deuxième sera sur son passif, il va augmenter son ardeur au combat de 15% quand un adversaire va utiliser une compétence non offensive, donc ça c'est plutôt pas mal avec son kit de sort. Et son S3, je pense que c'est le plus intéressant, son troisième équipement exclusif, ça va augmenter les tours de relance de tous les adversaires sauf de la cible avec le plus d'attaque d'un tour, donc un petit peu comme Lua, un petit peu comme Dakwol. Ça a l'air quand même assez fort pour un personnage DPS.
Deuxième équipement exclusif, cette fois-ci, ça sera sur Arya. C'est vrai que c'est pas un personnage évident à build et à jouer. Elle va gagner de l'ER sur son équipement exclusif. Et on a trois équipements exclusifs qui sont pas trop mal. Le premier va augmenter les dégâts de son SA de 10%. Le deuxième va augmenter les dégâts de son passif de 10%. Et son troisième, personnellement, c'est celui que je préfère. Ça va être aussi sur son passif. Au début du combat, elle va directement gagner un focus. Ce qui fait qu'elle va pouvoir faire son passif très très rapidement dans le combat. Et pour les nouveaux joueurs, on a une bonne fonction qui va être ajoutée sur Epic 7, puisqu'on va pouvoir équiper facilement les héros avec les équipements de notre inventaire, avec les statistiques les plus optimisées possibles en fonction des sets qui ont été enregistrés dans la base de données d'Epic 7. Donc ça vous permettra d'équiper des héros plutôt facilement au début, si vous ne savez pas trop comment ils fonctionnent. On a un remaniement aussi des bonus et des malus. En plein combat, l'ordre des bonus va être modifié. Alors je pense que ça pourra être plus intéressant pour savoir quel malus va être retiré, quel bonus va être ajouté dans l'ordre. Je pense que c'est plutôt par rapport à ça, parce que c'est vrai que pour l'instant on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Le fait de retirer des malus, quand il y a beaucoup de malus, on ne sait pas lesquels sont priorisés. Donc peut-être qu'avec cette nouvel arrangement de bonus, on arrivera à y voir un petit peu plus clair. Je suis pas trop sûr sur cette mise à jour, en tout cas j'espère que ce sera ça l'idée derrière cette mise à jour. On l'avait vu aussi dans le courrier de Merurine, on va avoir une opération spéciale Arki pour les joueurs qui reprennent Epic 7 ou qui commencent Epic 7. On va avoir plein de nouvelles récompenses supplémentaires, des invocations, des potions pour monter directement vos personnages au niveau maximum et surtout des équipements niveau 85 gratuits. C'est les équipements les plus forts du jeu, vous allez commencer avec un nouveau set supplémentaire, donc ça c'est plutôt pas mal, vous allez pouvoir équiper un personnage assez facilement par rapport à tout ce qui avait été déjà donné, ça vous fait pas mal de héros gratuits et de héros que vous allez pouvoir équiper facilement, donc j'ai hâte que ça commence. Pour les nouveaux joueurs, c'est vraiment bien, même pour ceux qui reprennent le jeu, ça vous permet d'équiper un héros facilement et de commencer et recommencer sur de bonnes bases. Normalement, cette semaine, je vous ai déjà fait un petit tag sur Discord, l'événement Forge Your Epic Gear va commencer, normalement on devrait commencer avec le côté gauche, épée, casque ou torse, où on va pouvoir fabriquer un équipement parfait, donc c'est vraiment le meilleur événement du jeu pour avoir un très bon équipement avec les statistiques parfaites. J'ai déjà fait des vidéos sur ma chaîne, peut-être que j'en referai une, mais j'imagine que ce sera plus ou moins l'équivalent de celle que j'avais déjà fait pour vous expliquer comment ça fonctionne et quel équipement prendre si vous êtes un petit peu hésitant pour les statistiques. La saison de RTA se termine bientôt, elle va se terminer le 4 mai 2024 et pour l'occasion on aura un skin de Briseria. On a déjà une petite preview de son skin, elle semble assez intéressante. Alors c'est quand même bizarre parce que pour un tireur on dirait qu'elle a plutôt une épée, donc ça sera un épéiste, c'est un petit peu bizarre. En tout cas moi j'aime beaucoup son skin, je le trouve très très beau, dommage que j'ai pas le personnage, j'aurais aimé la jouer. On a ensuite toutes les annonces de bannières, alors forcément économisez vos invocations plutôt pour la collab que pour les bannières RGB classiques. On aura du 11 au 18 avril la bannière de Biou, très bon héros avec son artefact. Je vous déconseille bien évidemment d'invoquer dessus. On a ensuite la bannière de Nakwol, exactement de la même période, du 11 au 18 avril avec son artefact. Le héros est très bon, mais c'est pas du tout le moment pour invoquer dessus et économiser pour la collab. On aura ensuite du 18 au 25 avril Bal et Cézanne, personnage feu qui n'est pas du tout joué, ça ne sert à rien d'invoquer dessus. Et durant la même période, du 18 avril et même jusqu'au 2 mai, on aura enfin le premier héros limité de la collab. On aura Albedo et son artefact 3F, un héros qui sera plutôt intéressant à invoquer vu que c'est un héros de collab. On n'est pas forcément certain que ça revienne un jour pour l'instant, on n'a toujours pas eu de rerun de la collab FMA ni de la collab Aespa, donc peut-être que ça va être un petit peu des personnages exclusifs invoqués plutôt sur ces héros maintenant. Et je rappelle tout de même que dans 2 jours, on aura le nouveau ML 5 étoiles qui sera disponible du 11 avril au 2 mai. Ça sera ML Politis avec un kit de sort plutôt intéressant, à voir si elle sera très puissante in-game. Et elle sera accompagnée dans sa bannière du ML 4 étoiles Assassin Cartouja. <t'en>
On va maintenant passer au kit de sort des héros de la collab. Vous avez vu, le premier, c'est Ainz, le MS 5 étoiles, gratuit avec une très bonne vitesse de base. 115, c'est plutôt pas mal pour un mage. Avec une imprint en concentration, en efficacité, c'est plutôt pas mal avec son kit de sort et de l'ER pour toute sa team. Son S3 est vraiment spécial avec un cooldown de 3 tours. C'est assez faible, vous allez voir pourquoi. Il va retirer tous les bonus de la cible et le silence pendant un tour. Et avec son sort monté, il aura 100% de chance d'infliger un nouveau malus qui ne peut pas être retiré. Au bout de 12 tours de n'importe quel personnage de la partie, que ce soit de votre côté ou du côté de l'adversaire, ça va faire 5000 de dégâts fixes à la cible. Ça va la one shot, peu importe ses points de vie, 5000, c'est 50 000, pardon, c'est vraiment énorme, ça tue n'importe qui, donc c'est vraiment très fort. 12 tours, ça passe très très vite, surtout s'il y a des personnages avec des extra turns comme Lua, comme Nakwal, comme Emel Ilias ou comme des sous burn à extra turn. 12 tours, ça peut passer très très vite, donc ça permettra d'aller tuer des personnages avec beaucoup d'HP. J'aime beaucoup la mécanique, ça permet un petit peu de contrer Emel Ilias par exemple, et surtout ça fonctionnera très bien avec Emel Ilias de votre côté, ou des héros qui ont des soulburn. Son S2 sera une compétence passive. Alors, je sais pas si c'est mal traduit ou si c'est moi qui ai pas très bien compris, j'ai l'impression que les dégâts qui vont être infligés par les personnages light vont être augmentés de 30% sur notre Emel 5 étoiles, donc j'ai un petit peu peur qu'ils prennent trop de dégâts par rapport aux personnages light. Déjà qu'en général il y a déjà des personnages light qui tapent très fort sur les dark, là s'ils augmentent en plus de 30% les dégâts qu'il va subir, j'ai un peu peur qu'il meure trop vite. Peut-être que j'ai mal compris la traduction ici. Et ensuite il a un petit peu un passif RNG, quand un allié va être attaqué, il aura 35% de chance de déclencher mana barrière. Ça va donner une barrière à tous les alliés pendant 2 tours. Et il va adopter une posture de contre-attaque, ce qui fait qu'à chaque fois qu'il va se faire taper, pendant 2 tours, il va pouvoir contre-attaquer. Et sa barrière sera en fonction de la santé du caster. Donc j'imagine que c'est un personnage qu'on va build avec le plus de santé possible, parce que son S3 est des dégâts fixes, donc on n'a pas besoin de dégâts. On veut juste qu'il tanque le plus longtemps possible, surtout avec son contre-attaque, surtout avec sa barrière. Donc je pense que c'est juste la statistique qu'on va aller chercher en plus de la vitesse. Son S1, vous allez voir qu'il est très très bon, il va très bien dans son kit de sort. Ça va attaquer tous les adversaires avec 25% de chance de les stun pendant un tour. Donc ça, c'est quand même giga fort. Et vous allez voir son soul burn. Bon, c'est quand même 20 âmes, c'est beaucoup, mais ça va lui donner un extra turn. Donc vous allez avoir de plus en plus de chances de stun les adversaires. Et en plus, ça va vous permettre de cycler très vite le malus de son S3. Donc j'aime beaucoup le kit du personnage. Alors après, c'est vrai que ça coûte très cher en âme, mais son S1 est quand même très puissant. Son artefact, maintenant, je trouve plutôt moyen. Artefact de mage qui va augmenter son efficacité de 20% et son ER de 40%. Et à chaque fois qu'il va se faire taper, ça va diminuer son ER de 4% jusqu'à 20%. On a une petite présentation du héros, on va regarder ça vite fait. Donc là, on voit bien que c'est une attaque de zone, il y a une dual attaque avec LRK. On va se faire taper avec notre personnage. Et vous allez voir que là, il a déjà son bonus contre-attaque. Il va pouvoir contre-attaquer en zone et stun des personnages. Bon, il n'y a pas beaucoup de chances de stun. Ça a stun Arwell, du coup, ça peut être sympa avec Specimen 16. Pourquoi pas, on va aller pouvoir one-shot quelqu'un. Et regardez, Yuffine, ça monte petit à petit. Hop, on est passé à 5 tours. Ensuite, on contre-attaque, on stun. Hop, on passe à 6 tours. Vous avez vu que ça monte très très vite. 7 tours jusqu'à 12, ça peut aller vraiment très vite. Hein. Dien, on est à 8. Ensuite LRK, ensuite Albedo, et en fait le temps que l'adversaire rejoue, bah vous allez voir qu'il va juste se faire one shot. On est à 8, là on passe à 9, on va pouvoir S3 avec LRK. Bon, les animations sont un petit peu lentes, et peut-être que j'aurais dû couper la vidéo, mais c'est pas très grave, on voit un petit peu le gameplay du personnage. On est passé à 10, là on va pouvoir taper en zone et espérer stun, on n'a pas stun. On est à 11, et hop, vous allez voir, autour de Emel Chou, moins 50 000, on a tué Emel Yuffine. Ça va quand même assez vite. Je trouve le kit du personnage assez marrant, assez intéressant. Si on n'a pas d'immunité, ça peut être très très fort. Le combo des stun plus les dommages fixes, on a un petit peu un chronomètre au-dessus de la tête. J'aime bien ce petit gameplay, ça peut être sympa à jouer. À voir si les dégâts subis de 30% par les personnages light ont bien été traduits, si c'est bien ça, parce que ça pourrait être assez compliqué pour lui. J'imagine qu'on va essayer quand même de le build le plus tanky possible avec de l'effi, mais quand même, avec des Adin, avec des LQC, il peut très vite mourir aussi. Ainz-sama ni burei o hataraku mono wa banshi ni akai suru.
Deuxième personnage, cette fois-ci, on va parler d'Albedo, un chevalier plutôt classique avec une vitesse de base de chevalier assez lent, beaucoup d'HP et une imprint en HP ou de l'ER pour toute sa team. Elle va attaquer une cible et elle aura 100% de chance de retirer tous les bonus de la cible et de lui infliger un malus où elle ne pourra plus subir de bonus et sa défense va être réduite de 2 tours. Donc c'est quand même assez fort et ses dégâts vont être en fonction de sa santé. Son soulburn pour 10 âmes, donc ça va être exactement comme pas mal de héros, ça va réduire les cooldowns du S2 de 2 tours. Donc on aura seulement 2 tours de relance sur son S3. C'est assez efficace pour mettre un break def et retirer tous les bonus, ça peut faire la différence. Son S2 va être une compétence passive qui est quand même assez forte. Quand un allié va subir un coup critique, les dégâts vont être réduits jusqu'à 20%. Et si un allié subit un coup critique, ça va déclencher le passif du personnage qui pourrait être activé qu'une fois tous les 2 tours. Le passif du personnage, ça va être une attaque de zone qui va envoyer un cheval et qui va retirer un bonus à tous les adversaires avant d'augmenter la vitesse du caster, donc du chevalier, et ses dégâts vont être proportionnels à sa santé. Petite animation donc du cheval, parce que c'est vrai qu'on ne le voit pas dans la vidéo de présentation. Hop, petite animation, on le lance, on reste sur place et ça retire un bonus à tous les adversaires. Son S1, je le trouve assez fort, ça va attaquer un adversaire et augmenter son ardeur au combat de 20%, et en plus de ça, elle va faire des dégâts supplémentaires en fonction de sa santé. Donc ça, j'aime bien, ça tape assez fort, vous allez voir, on va regarder dans la vidéo. Elle va faire un S1, bim, moins 9500 sur son S1, c'est assez fort. Et là, regardez l'artefact, exceptionnel, c'est l'équivalent de Rocket Punch, mais en fonction de la santé, ça va infliger des dégâts additionnel en fonction des points de vie du porteur. Donc moi j'aime bien, ça change un petit peu l'artefact de Rocket Punch. J'imagine, attention, qu'il en faudra plusieurs, parce que Rocket Punch, on aimerait tous en avoir 2 voire 3, donc ça serait bien d'en avoir plusieurs aussi de celui-là. Attention, petite différence par rapport à Rocket Punch, qui est en fonction de la défense du porteur. Ici, c'est en fonction de la santé, donc on est très vulnérable à la réduction d'HP, que ce soit en Frenzy, en RTA, ou que ce soit avec de l'injury, on va taper de moins en moins fort et on sera de plus en plus vulnérable. Donc faites aussi attention à ça, à l'injury, ça sera très fort contre cette arté, là où des personnages avec de la défense sont un peu moins vulnérables. Alors certes, on est très vulnérable au break def parce que ça va fortement diminuer nos dégâts et on sera très vulnérable aux dégâts qui vont pouvoir nous one shot avec un break défense. Mais d'un autre côté, si on a de R, si on a de l'immunité, si on a des personnages qui peuvent retirer des malus, le break défense, c'est moins dérangeant que de l'injury, là où l'injury, on ne pourra plus la retirer tout au long du combat, malheureusement. Shaltia Bloodfallen, go aïsat moshiagensu. Omoshiro arisen. Sorosoro owarasensu yo. Sorosoro junbi mo dekin shita kai? Juurin mo kaishishinsu. Dernier personnage de la collab, Shaltir, un personnage guerrier avec une énorme vitesse de base, on est à 119 points guerrier, c'est beaucoup, avec énormément de chances de coup critique et une imprint en chance de coup critique. Le héros a l'air vraiment fort, je pense que c'est sans doute l'un des plus forts de la collab, voire même le plus fort de la collab. Son S2 va être une compétence passive et ça va être exactement la même chose que Tempest Surin et Emel Céline. Elle ne pourra pas prendre plus de 50% des dégâts subis, donc il faudra la tuer en 2 temps au minimum pour pouvoir l'achever, donc c'est assez fort, notamment contre les cleaves. Au début de son tour de jeu, si le porteur a plus de 60% des points de vie, il va gagner un bonus attaque et à la fin de son tour, il va être furtif, donc un très bon passif, à la fois un boost, à la fois une réduction de dégâts et à la fois une mécanique qui va la rendre inciblable. J'aime beaucoup pour la protéger, c'est assez bien contre les kills normalement, qui est un petit peu la méta du jeu, c'est un kit de sort très convaincant. Son S3 avec 3 tours de relance, c'est assez faible, ça va retirer tous les bonus de l'adversaire et l'attaquer avec un javelot. Ça va augmenter ses chances de coup réussi de 100%. 100% c'est énorme, c'est-à-dire qu'on va totalement ignorer l'évasion, parce que l'évasion ça peut monter pour l'instant jusqu'à 70% entre le kit de sort des personnages, les bonus,
et les artefacts, on peut même monter à 90 en vrai avec Emel Kartouja. Donc elle aura 100% de chance de toucher l'adversaire, elle sera garantie de toucher l'adversaire. Ça va en plus ignorer la résistance d'effet et vous allez voir que ça va taper assez fort en fonction de si elle a plus d'attaque que la cible ou non. Regardez-moi ça, on est contre les compositions assez chiantes. Adin plus Candy plus Arowel, on a un shield donc beaucoup de bonus, on a de l'anticrit. Regardez ce qu'elle fait à Adin, elle l'a détruite, moi 25 000, on a ignoré l'évasion, on a retiré tous les bonus, donc on n'a plus le bonus anti-critique, elle va juste pouvoir annihiler ce genre de personnage qui est accompagné de Candy et d'Arowell. Donc moi j'aime beaucoup parce que c'était des compositions pas faciles à affronter, et là elle est vraiment très efficace, en tout cas plus efficace que LPK, plus efficace que Zac, donc j'ai hâte de la jouer. Enfin, son S1 va être une attaque mono-cible qui va infliger de l'injury. Donc un petit peu comme Apocalypse sur Abyss, c'est assez fort de l'injury sur le S1. Donc l'injury se fera en fonction des dégâts infligés. Attention par contre, elle ne pourra pas infliger plus de 10% des points de vie de la cible en injury par attaque. Donc c'est quand même assez faible. Et son soulburn pour 10 âmes, elle va augmenter les dégâts infligés. Et surtout, elle va pouvoir augmenter l'injury infligé jusqu'à 20%, donc là, on va vraiment pouvoir mettre beaucoup d'injury sur la cible. 20%, ça commence à être assez fort. Son Arte, j'aime beaucoup, c'est un petit peu une faute figure différente. Quand on va attaquer avec une attaque mono-cible, ça va augmenter les dégâts de 20%, donc ça c'est déjà beaucoup. Et en plus, ça va absorber 15% des dégâts infligés, donc un petit peu un artefact de régène, peu importe les points de vie de la cible, on va surtout taper plus fort et se régène en fonction des dégâts qu'on va infliger. J'aime beaucoup, je pense que c'est un artefact à avoir, pour le coup j'aime beaucoup. J'ai dit au moins 3 fois j'aime beaucoup, mais voilà, il est plutôt bien en tout cas de mon point de vue. Je veux juste revoir les dégâts sur Adin, parce que là on va vraiment bien le voir. Alors ici elle a un break attack. On a un bonus vigueur sur notre personnage, mais elle a encore l'anticrit et un énorme shield. J'ai vraiment envie de voir ça parce que les compositions comme ça avec Arowel plus Candy, c'est vraiment bien. En plus, on a Obel qui va jouer, donc elle va clean, il n'y aura même pas de break attack sur Adin. On aura juste le bonus glace, on aura un bonus défense, on aura un bonus résistance en critique, on aura un shield. Là, on va pouvoir jouer, on a notre bonus attaque parce qu'on a plus de 60% de nos points de vie. On fait un S3 et j'aime beaucoup. Franchement, c'était un personnage qui manquait, je pense, dans mon compte, parce que là, les compositions comme ça, j'aime pas trop les affronter, c'est dur de les tuer, et ça va être enfin une solution viable. En plus, elle a une furtivité, elle peut pas se faire one-shot, j'ai hâte de l'invoquer, je pense que c'est un peu mon personnage préféré. Après, j'aime bien le MS 5 étoiles gratuit, je trouve qu'il a un kit de sort très sympa, avec sa détonation de 50 000 de dégâts au bout de 12 tours, ça peut être assez marrant à jouer. Ce sera tout pour l'instant, je sais pas si demain on aura encore d'autres informations, c'était Shuriken, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.